Bienvenue et merci de nous suivre sur votre chaîne Presse Afrique. Merci de vous abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. C'est un pays extrêmement dynamique et un potentiel important. Avec la première phase du plan Sénégal émergent, on a réussi à enclencher une dynamique de croissance élevée. Donc on est passé de taux de croissance de 3-4% pendant longtemps à des taux de 6-7%. Donc il s'est quand même passé quelque chose. On a une croissance de 6% en 2019 qui aurait pu être un peu plus élevée, qui est ramenée à 6 par rapport à une prévision antérieure de 6,6 parce qu'on a eu un démarrage assez faible au niveau de l'année, mais on est en train d'avoir une dynamique qui va en s'accélérant et on prévoit 6,8% de croissance en 2020. À moyen terme, on a également, comme j'ai dit, des perspectives très favorables. Alors, il y a l'investissement privé, également les investissements dans les ressources en hydrocarbures. Je pense que c'est un pays dynamique et l'émergence est à portée de main. Vous avez quelques recommandations pour la croissance? Maintenir la viabilité des finances publiques et de la dette. Donc, je pense que ça, c'est un point important. Donc, c'est le deuxième pilier du programme. Le premier pilier qu'on essaie vraiment de mettre en avant, c'est avoir des actions concrètes pour encadrer et favoriser le développement du secteur privé. Je dirais à deux niveaux. Au niveau des entreprises, d'encourager le développement et l'accès au privé, l'accès au financement des PME. Et l'autre volet, c'est le volet éducation et formation professionnelle. Donc d'améliorer les qualifications des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et le troisième volet, ça va être la gestion saine des hydrocarbures dans le futur. Bonjour. S'assurer que on n'accumule pas de nouvelles obligations impayées durant une année. Donc en ce qui concerne les prix des carburants, ça va aussi vouloir dire d'inscrire les montants dus de subventions dans le budget ou alors d'ajuster les prix pour éviter qu'on se retrouve dans la situation où on accumule ces impayés. L'appréciation de la situation en Arabie Saoudite pour le moment, c'est que c'est temporaire. Les réserves et l'offre étant par ailleurs abondantes, donc sur le long terme, on s'attend à une amélioration de la situation, mais on reste tributaire des tensions et de la situation géopolitique internationale. Donc notre recommandation, c'est d'assurer que les prix soient de manière à éviter les besoins de subventions. L'important étant d'améliorer la viabilité du secteur, je dirais énergie et électricité, pour permettre le succès de la stratégie de gas to power et le développement des hydrocarbures. Madame.